Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va découvrir l'épisode 9 de Jujutsu Kaisen. C'est pas démon kéké. Ça commence bien. Ah bah c'est celui qu'on a vu. Tant qu'à faire. Ah, les gens comme ça, ils sont insupportables dans les ciné. Au moins, il a osé le dire. Oh, des titans. Je rigole. Ok. Ils sont pas très beaux. Pas du tout, non. C'est déprimant ce genre de comportement, mais bon. Générique. Petit poisson et retour de bâton. C'est méchant, mais ils ont eu ce qu'ils méritaient. Hein. Ils ont joué avec le feu, ils se sont brûlés. Hein. Alors, qui c'est qui a été envoyé? Oh, mais il apprend, laisse-lui apprendre tranquillou. Hein. Grave. J'avoue, je sais même pas qui c'est ce gars. Grave. C'est honnête. C'est honnête. Ah, super. C'est un élève, en même temps, c'en est pas un réellement. Ah, il y a un copain derrière qui s'est fait cramer, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est horrible cette chose, mon dieu. Oh là là! Mais please, quoi. Ah, il doit y avoir comment est-ce qu'on il combat lui. Je peux arrêter de parler en fait et combattre. Pas mal, pas mal. Il glisse. En soi, il a pas un pouvoir foufou, lui, hein. Hanako des toilettes. Oh bah Kyubi, gentil Kyubi, Kurama. Ça devait faire bizarre, les gens lui portaient pas d'importance à part le frapper. Mais il va se faire manipuler, lui, c'est pas possible autrement. C'est comme ça, oui. D'accord, mais il le fait exprès. Il est trop mignon. Il me fait un peu penser à Tanjiro. Kentune! Ah, ah, j'en peux plus. J'arrive pas à savoir, lui, s'il va se faire embringuer là-dedans ou s'il va réellement devenir horrible. C'est laid. Ah d'accord, ça finit comme ça. Bon, je pense qu'on le saura peut-être plus tard, mais j'étais quand même curieuse de savoir ce tournoi, en fait. De tournoi, ce qui allait se passer. Sinon, pour le petit garçon, là, ouais, clairement, j'ai peur qu'il se fasse un peu embringuer par les fléaux, démons et tout. Et du coup, il s'immisce un peu dans l'école d'exorcisme pour surveiller Tadoli, un truc comme ça. Et que du coup, un peu pour qu'il le récupère. Enfin bref, je sais pas, je le sens pas trop parce que ça a l'air d'être un pauvre garçon, en fait, qui se fait harceler. Et puis du coup, dès qu'on lui tend la main, en fait, il va y aller, quoi. Donc j'ai un peu peur de ça. Enfin bref, affaire à suivre. On verra bien. Sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à partager, à commenter, à liker, à vous abonner, ça me fera super plaisir. Et sur ce, moi, je vous fais des gros gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.